Et bien, yo tout le monde, c'est Bowser Bros. Et aujourd'hui, les amis, on se retrouve à Omaha Beach, l'une des plages du débarquement. Et là, vous voyez, c'est donc un monument en mémoire aux soldats américains. Du coup, je sais pas si on voit bien, du coup, morts sur cette plage. Donc, Omaha Beach, c'est vraiment la plage du débarquement. J'ai fait une photo avec des gens déguisés en militaire d'ailleurs. Ça, c'est stylé, comme vous voyez, c'est vraiment. En campagne et là-bas, donc on va aller voir un petit peu. Il y avait plein de blocos, de trucs comme ça par exemple, vous voyez. On va essayer d'aller un peu sous terre et tout. On va vraiment faire cette plage du débarquement, un lieu très historique pour la Normandie, donc en Normandie. Hein. Donc on va faire ça tout de suite. Ah ouais, en fait, carrément, il y a des. Attends. Stylé ça. Il y a des vestiges de trucs. On va descendre en bas pour voir. Ah ouais, carrément stylé ça. Et genre on peut aller dedans pour voir. Attends, on va aller dedans juste pour voir. Ah ouais, attends, on va mettre le flash. On a quoi là-bas? Ok. Ah ouais, bon là je suis très bas, hein. Là je suis totalement allongé, mais. Ok, stylé. Stylé, stylé ça. Alors on peut descendre par là, vas-y, on va aller voir. Wow, c'est très stylé aussi. Hein. Putain, ça fait deux trucs. Ah ouais. Là aussi, regardez. Putain, un truc de ouf. Hein. Les fenêtres et tout. Ah ouais. Ça pète sa mère, hein, regardez. On peut aller dans un putain de bunker en fait. Vous pensez qu'ils avaient des magnums à graille. Putain, c'est stylé. Ouais, ici, à quoi? Limite une sorte de d'urbex presque. C'est un peu ça. On va mettre une petite lampe. Voilà, on voit pas très très bien, mais. Voilà, je suis tout seul. Ah ouais, regarde, on voit que c'est un peu effondré ici. Ah, c'est la pierre, ok. C'est de l'argile un peu, c'est, je sais pas, c'est une matière bizarre. Faut faire gaffe, c'est un peu casse-gueule. Wow. C'est stylé, hein. Vraiment des bunkers pareil, comme le blockhaus des Perlettes qu'on est allé voir, qui est énorme. Mais là, c'est ceux du débarquement, quoi. Incroyable. On a une belle vue là, putain. On va aller plus en avant. Putain, ici aussi, je pense que c'est. Ouais, ça doit être un autre truc. Mais là, il y a des plantes, on voit rien. C'est assez amusant, n'empêche, de voir une plage telle que celle-ci où il s'est passé des trucs. Bon, des trucs de ouf, hein. Le débarquement des Américains et des gens se baignent normal. En vrai, c'est normal, hein, mais. Non, franchement, c'est stylé. J'aime beaucoup. Putain, le trou ici. Chaud. Je sais pas si on voit bien, mais en fait, c'est des barreaux d'une échelle. Là, on peut descendre encore dans le truc. C'est lourd. Ouais, c'est stylé. Il y a un petit chemin sur le côté là pour accéder à Omaha Beach, l'une des plages du débarquement. Donc là, c'était la première infanterie, je crois. Première unité, je sais plus quoi. Première infanterie, il me semble. Putain, il y a des beaux oiseaux. Trop stylé. Ouais, je crois que c'était la première infanterie, un truc comme ça, qui était marqué en Amérique en fait. Regardez, là on a plutôt beau panorama, on va zoomer un petit peu, on va faire un petit x4. Voilà, l'une des plages du débarquement. Alors je sais pas s'il y a des bunkers sur les plages ou quoi, mais on verra bien. Ah ouais, il y en a d'autres, vas-y, on va voir. Hein. Hop, putain. Il va falloir se baisser un peu. Ok. Je sais pas par où ça va après. Attends, je vais essayer de zoomer un peu. Je crois que ça s'arrête juste après, je vois. Bon, ok. Ouais, c'est vrai, ce gros cratère, c'est peut-être un trou de bombe. En fait, on sait pas trop, mais il y a moyen. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est énorme. En fait, il y en a vraiment de partout, quoi. Il y en a là-bas. Un cadavre aussi. Ça doit être un soldat. Regardez là-bas, des soldats, des gens habillés en soldats. Ça, c'est vraiment stylé.
Ouais, comme je disais juste avant, celui-là, on va pas rentrer tout de suite, c'est un peu bas. On va voir si on n'a pas d'autres, en espérant qu'il n'y a pas des gens en train de ken dedans comme le dernier. Ok, là c'est gros, on va aller voir ça. Ouais, il est bien gros celui-là. Il est moins enterré que les autres déjà. Putain, stylé, hein. Ouais, putain, en fait, il y a des oiseaux dedans, on va aller voir. On va aller voir en dessous. Ah ouais, en fait, il y a des nids. Il y a des nids d'oiseaux de partout. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo. Mais ouais, il y a des piafs de partout en fait. Ici, c'est. Bah, regarde là, un nid. Il y a un nid d'oiseau juste là. Ouais, regarde. En fait, là, En fait, il y a des nids d'oiseaux de partout. Regarde. C'est vraiment. Ils viennent Voilà. tous là. Regarde là. Je sais pas si c'est tranché avant le. Je sais pas, je me demande. Et là, tu vois, genre, il y a des nids de partout. On va se faire attaquer par les mésanges. Je sais pas, là aussi, on dit il y a des impacts. Je sais pas si c'est des impacts de balles ou quoi. Mais... Ah ouais, en fait, les oiseaux, ils ont trouvé, tu sais, avec le truc, le métal rouillé et tout, ils ont construit leur nid. Regarde là, on voit un peu. Attends, j'arrive. Ouais, en vrai, c'est vraiment un truc pour les oiseaux, c'est génial. Ouais, hein. Il y a tous les trous et tout là. Je pense qu'ils se calent dedans, tu vois, et. Mettre bien. Oh, j'adore le petit truc là. Je vais monter pour voir ce que ça donne. Peut-être avoir une bonne vue de là-haut. Je sais pas. Ok. Ouais, effectivement. Oh, regardez une petite. Je sais pas, une petite Jeep militaire. Bien cool. Là-bas, on a des mémoriaux. On va aller voir sur la plage directement, je pense. Je pense que ouais, allez, on va faire ça. Là, c'est énorme. On peut grimper et tout. Attends, attends. C'est énorme. Oui. Voilà la petite Jeep de plus près. Ah, nous voilà sur la plage. Alors, je sais pas si on voit au loin, mais vraiment au loin quoi. On a en fait, ouais, on voit vite fait des gros bateaux. C'est des gros. En fait, des gros navires pour aller en Angleterre, genre qui portent des voitures et tout, j'en ai vu un il y a quelques heures là, c'était énorme. Vraiment, et là on a les mémoriaux, on va aller voir. Ok, voilà le mémorial qui dit qu'en gros derrière ce rocher, il y a eu le rassemblement des blessés du débarquement de cette plage. Okay. Et en gros, c'est pour les médics, comment ça, les infirmiers et les soigneurs, quoi. Ceux qui ont soigné les soldats. Voilà, c'était juste ici. Plutôt cool. Il y en a aussi un autre là. Comme vous voyez, il y en a un vraiment un peu partout, hein. Et voilà, et là, on imagine bien les bateaux qui s'amarrent avec les. Je sais pas moi, par exemple, les véhicules américains terrestres, choses comme ça. Bon, là je suis en chaussures de ville donc c'est pas forcément l'idéal, mais voilà. Et qui venait justement pour se battre. Et regardez, on voit bien, franchement, on a un bel aperçu. Je vais zoomer un peu. Je vais zoomer un peu, franchement, c'est beau. Donc, je pense qu'on va se quitter sur ces belles images. On a plutôt plus ou moins fini. J'espère que cette petite vidéo. Du coup, bien sûr, le débarquement sur les plages du débarquement de Normandie vous aura plu. Et moi, en tout cas, je vous dis bye et à la prochaine. Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut!